Bonjour à tous, re-bienvenue sur le let's play de Black Mesa. La dernière fois on s'était fait un peu exploser la tronche, on avait réussi aussi à avoir ces petites bébêtes qui s'appellent des Snarks. L'équivalent des tics dans Singularity, les trucs qui font bien chier. Donc on va continuer. Putain! Wouhou! Belle entrée en matière. Ouais, tu penses ça? Mais j'ai des petits snarks, ça. Ah, il y a un mec. On est sur un feu nourri. Le mec toujours là-bas, là. Eh! Raté. D'accord, j'ai compris. Ah putain, mais comment je fais pour passer là? Ah, je suis con. Je vais morfler. Putain, faut que je fasse gaffe où je tire, moi. Donc ça doit être une phase où on va devoir buter des gens. Quoi? Ah putain! Ah quel con! Je peux la mettre en place mais c'est pour ma pomme aussi. J'aurais dû mettre les tourelles après moi. Bon écoute c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Boum! Ok, bon, on va tenter de faire quelque chose. Donc déjà toi, la caméra, tu regardes là, ici, pendant ce temps-là. Je m'occupe de faire d'autres petites préparations. Je peux pas prendre ça? Ah c'est marrant parce qu'en fait on les entend là. Ah mais je peux pas prendre les trucs quoi, donc je suis obligé vraiment de déberder avec ce que j'ai. Y'a quoi là-dedans? Ça se marche pas. Ok, alors attends. Ah non, ça c'est du décor en fait. Pas grave, écoute hein. Bip. Ah non, c'est pas du décor, c'est parce que j'étais plein. Le mec il se prépare à repousser un assaut de 10 000 personnes. Il y a des trucs sur la roulette, tu sais. Bon alors. Tout ce qui est missile là. Voilà, t'as la stratégie quoi. Yeah. Oh ça marche pas. Mais prends ça, mais prends-le. Je sais pas pourquoi il le prend pas quoi. Je sais pas pourquoi il le prend pas, y a un problème quelque part, c'est mal codé leur truc. En tout cas le problème c'est que c'est... Regarde là je le prends, ça marche.
merde, j'ai fail, fail comme merde. En plus, je tire mal. Ok, bon, ça marche pas. Non. Ah yes, j'ai réussi. C'était la borgue. Putain, en plus j'aurais pu utiliser mes tout beaux sacs d'explosifs. C'est pas grave. Pas grave, je vais faire péter là, du coup. Ah, une radio. Ah, c'est pas mal ça. Elles sont attaquées. Elles sont en train d'évacuer. Ouais. Oh putain. C'est le bordel. Oh la vache. Oh, c'est la guerre, mon gars. Grosse guerre de malade, quoi. Vache. Aïe. Moi aussi, j'ai utilisé votre arme, là. Tiens. Boum, 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 boum. Putain, j'ai du monde dans l'air. Ouah, c'était vraiment la guerre. Putain, les gars, ils ont dézingué le tank avec leur... Oh la vache. Non, les militaires sont sérieusement en train de dérouiller, quoi. C'est pour ça que dans l'histoire, en fait, après, ils appellent donc les Black Ops pour venir. Enfin, le gouvernement, en tout cas, appelle les Black Ops pour se débarrasser de tout le monde, mais vraiment tout le monde, des scientifiques, des aliens et des militaires aussi, parce que c'est pas marrant. Enfin, t'étais un peu bugué, toi. Aïe. Ok. Ouais, donc ils se débarrassent un peu de tout le monde. Et en fait, ils plantent une nuque à Black Mesa. Pour en finir définitivement avec le centre. Et le problème, c'est qu'entre temps, il y a une autre espèce d'extraterrestre. Donc la Race X, mais qu'on ne voit pas dans Half-Life, on la voit que dans Opposing Force. La Race X qui arrive et qui dit bah moi aussi je veux la Terre, donc du coup. Aïe. Et du coup qui se fight avec les aliens et avec ce qui reste de militaires et avec les Black Ops. Enfin bref, c'est Black Mesa devient un putain de centre. Enfin, c'est un sorte de combat multi-espèces, quoi. C'est l'orgie interraciale, tu vois. Bon, par contre, je suis un peu paumé, je sais pas où est-ce qu'il faut aller. Parce que là, je suis venu là, mais... Oh, putain. Putain, mais... D'où est-ce que tu viens, toi? Oh, le bâtard! Ils sont durs à cuire, hein, ces machins. J'entends des Hyundai. J'aurais pas dû faire ça.
en a toujours un, voilà. Tout ça pour deux trucs d'armure. Attends, comment, je commence sérieusement à souffrir dans ce jeu. Non, c'est mort. Le zombie. C'est quoi ça? Oh! Putain, juste après le chargement, c'est fourbe. Quoi? Il y a carrément la végétation de Xen qui commence à prendre possession des lieux. C'est le bordel, les gars. Moi, je suis un peu spectateur là-dedans, quoi. J'essaie de survivre. Il y a une putain de guerre. Moi, je me casse. Hein. Ouais, je suis là aussi. Ok, bon, ils ont démoli le tank. Il y a un mec en haut. Ça marche pas forcément. Ah, de bugger. Putain, pourquoi ça marche pas? Ça, c'est un truc qui fait sauter. Mais c'est fourbe, ça! Là, tu te relèves pas, c'est mort. Ah, par contre, celui-là, il se relève forcément. Ah non, mais c'est pas sérieux là! Non, 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 non! Oh le mec! Oh, heureusement que c'est des auto-détruits quand même, hein, parce que. Tu sais, le mec il saute du 8ème étage, tu sais, pour échapper à des. Pour échapper à des snarks. Ne me dis pas que j'ai fait. Ah non. J'ai fait tout ça pour rien! Dégage, crabe de tête! Ah! Vache, laissez-moi une minute. Ok. Aïe. Il y a un sniper en plus, mais non, mais. Eh non, mais c'est bon là, on se calme. Hein. Putain, je me fais victimiser par les aliens et par les. Attends, tu vois, je vais goûter de lance-roquette, mon gars. Hein. Voilà. Y'a quoi là?
Arrête de bouffer. D'autres surprises? Oh putain, mais c'est pas sérieux ça. Que le truc est électrifié, j'ai eu très peur. Oh. Merde! Eh ben non, c'est pas trop facile. Le mec il s'éclate comme il peut quoi, il balance du C4 dans les conduits. Faut arrêter de foutre des crânes de tête dans les conduits. Le mec il est en train de doucement péter un câble sur le jeu. Nettoyer ça. Quoi? Mais c'est pas, c'est une blague? Mais je suis au même endroit? Ouais, c'est par là en fait. Ça me fait peur. Oh non! Tiens, va jouer avec ça, et joue avec ça. Hein. Parce que forcément, ça revient sur moi! Après! Allez, moi je me casse. Merci, arrête de bugger. Aïe, ah! Chez moi. Putain, c'est Gordon Freeman la victime, quoi. Je dois avouer que c'est plutôt tendu. Haute surface, normal, t'as un putain de brasier là. Tourner les valves. Là. Je sais pas ce que ça va faire, mais. Par contre, il y a toujours du feu. Il doit en rester une en fait parce que. Ah bah attends, il en manque une là. Elle est où la valve? Elle est où la manivelle là? Hé! Eh mais bon sang, où est la manivelle là? Elle est là. Allez, je vais voir. Je me disais, il l'aurait planqué hyper loin, tu sais. Du coup, t'es obligé de te retaper tout le chemin, mais non, en fait, ça va. Ouais, donc ils sont bien en train de bombarder. Les militaires sont en train de tout bombarder. Ça fait longtemps qu'on a pas utilisé petit Glock. Oui, mais j'aime bien le Glock 17, moi. Hop, surprise. Non, pas de surprise. Dommage. C'est rare, hein. Moi j'aime bien les surprises. Je préfère les bonnes surprises, hein, bien sûr. Oh, mais c'est pas sérieux, laissez-moi tranquille! Putain, allez vous faire enculer! Attends, est-ce que je me fais mal si je suis là-dedans? Attends, y'a un panneau là-bas. Non, c'est du décor? Je sais pas. Non, c'est du décor. Est-ce que je me fais mal au moins si je vais dedans? Parce que...
Ça peut être de la vapeur gentille, hein. Ah non, non, c'est pas mal. Bon, au pire, c'est pas grave, on passe, hein. Allez. Allez. Ah, par contre, là, ça risque d'être un peu plus compliqué. On va passer par là. On est chaud. Ah, meurs. D'accord, toi, t'es bugué. J'aime la vie. Fermé là. Vache. Give me a fucking break. Crève. Boum. Je pensais qu'elle était morte même. Voilà, c'est bon. Qui dit ça là? Better stand down, buddy. Oh, thank God. My prayers have been answered. Ouais, bon, bref, hein. Just the kind of help I was looking for. How are you, Freeman? Comment ils, comme ils me connaissent tous, en fait, c'est chaud. I'm ready to bring in the heavy artillery. Which means we gotta get to the Lambda bunker through that parking garage. And we gotta run. Like hell. Pourquoi? It's a good thing we ran into each other, you know? You couldn't get into the Lambda bunker without the proper access codes. Now I just hope those Lambda boys were smart enough to bring some beer. Ain't that right, buddy? Courir, pourquoi courir? On va se faire courser par un char. Viens avec moi ou pas? You go on without me. Non, viens avec moi. All right, let's go. One down and hell if I know. Ouais. Bon, du coup, on peut passer par là-bas maintenant. Le mec il attaque dans le dos. Vache. Putain mais je suis trop con, il y avait une mitrailleuse juste là. On y va. Il y a un camion. Bon, allez, c'est parti, Francis. You sure we're going the right way? Bah, tu vois, je l'ai là où il y a des monstres, hein. Mais il y a encore une ventilation là. Je pense que je vais. D'accord. Ah non, pas encore ça, dégage. Putain, vas-y, descends une vitesse, mon gars. Comment on fait pour se débarrasser de ces machins? Vache. J'aime pas trop cette musique. Oh putain.
putain la vache. Il me poursuit au moins. Cours. Il est en train de s'exciter, je le vois, il est en train de s'exciter sur le truc. Ok. Ah là, je vais faire bouger le truc. Mais arrête de faire bouger le truc, je suis en train d'essayer de te tirer dessus. Fire. Mais ce con, il s'est décalé. Vas-y, tu bouges pas. Regarde, c'est très bien. Non, non, viens par là, là, ici, voilà. Tu bouges pas. Ok, bon, on l'a transformé en jambon. Maintenant, on fait quoi? Des explosifs là-bas. Attends, on va tenter quelque chose. Alors, les explosifs sont là. Ici. Feu. Ah oui, ça marche. On va démolir les portes aussi, j'imagine. Stuck. Feu. Bof, non. Je suis pas sûr de démolir les portes. On va descendre. Donc du coup, ouais, c'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Ouais. Ils nous disent... Attends, comment je peux redescendre? T'as l'échelle là. Qu'ils sont en train de... Enfin, ils disent d'oublier Freeman et donc de se casser directement parce qu'ils vont, ils vont tout bombarder. Ils vont bombarder à la base. Lâche-moi. Ah. C'est pas maintenant qu'ils plantent la nuque, hein. C'est pas eux, de toute façon, c'est pas les militaires. Ils se cassent, en fait, les militaires se cassent pour ensuite lancer un gros bombardement de bâtards. Et donc du coup, moi, ce serait cool que je sois pas à l'extérieur pendant qu'ils vont bombarder. De toute façon, là, normalement, on est bientôt au complexe Lambda. Non ? Voilà, le bombardement commence. Wow. Vache. Forget about Freeman. We're cutting our losses and pulling out. Anyone left down there now is on his own. Repeat, if you are destroyed. Not only are we way behind enemy lines, we just missed the last flight out of here. Sure hope you brought some backup point, Dexter, because we're gonna need it. Ouais, bah, écoutez, hein. Let's get the hell out of here. Ouais. Bah, pas maintenant, en tout cas. Je vous dis à la prochaine. Je sais pas s'il y aura cette fait après. Ciao, ciao.